Alors, c'est une pièce, moi, que j'aime particulièrement chez Lomo. Une pièce qui est assez peu connue aussi, parce que le compositeur qui l'a écrite est peu connu aussi. Ernest Bloch, qui est un compositeur suisse et qui a vécu pas mal aux États-Unis, qui a été très influencé aussi par la musique américaine. C'est une œuvre qui a été écrite il y a presque un siècle maintenant, hein, 1916. Et qui est une œuvre, moi, que je trouve absolument magnifique, très, très imagée, hein, puisqu'elle c'était un peu voulu aussi, puisque ça parle un petit peu de l'histoire de Salomon, d'où son titre, chez Lomo. Et voilà, c'est une pièce en un seul mouvement, hein, c'est un petit peu moins traditionnel, on va dire, que les pièces qu'on a l'habitude d'entendre, qui sont généralement en trois mouvements, voire quatre. Voilà, avec une partie orchestrale qui est magnifique aussi, et moi c'est ce qui me tenait particulièrement à cœur, c'est de faire vraiment participer l'orchestre, voilà, avec beaucoup de musiciens. C'est vrai que l'orchestration est assez importante, il y a beaucoup de percussions de cuivre, un celesta, voilà. Et c'est vraiment une pièce très équilibrée, je trouve, entre l'orchestre et le violoncelle, avec des grands passages très élégiaques, des grands passages très romantiques. On n'est pas du tout dans de l'écriture moderne déjà qu'on peut connaître, hein, à cette époque-là. Donc voilà, c'est une pièce, moi, que j'aime particulièrement, et je suis très 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 heureuse de pouvoir la faire découvrir à certains demain. Alors, je ne sais pas si j'ai un rôle en tant qu'artiste associé. Ce qui est sûr, c'est que c'est un projet, moi, que je trouve très chouette, justement, de pouvoir revenir comme ça plusieurs fois dans l'année, parce que voilà, moi, j'aurais hâte entre chaque session de revenir, comme si je revenais un petit peu en famille. Donc, en plus, c'est le cas, comme j'ai une sœur dans l'orchestre. Voilà, c'est une chose qui me plaît beaucoup, qui est un petit peu différente de la carte blanche où on invite un artiste sur 3-4 jours et puis après, l'artiste rentre chez lui. Là, il y a une sorte de fidélité, on va dire, qui se crée au fil du temps. Et puis, donc, à chaque fois, avec des programmes différents, aussi avec des rencontres avec les jeunes violoncellistes du conservatoire. Donc, ça, c'est aussi une chose qui me tenait à cœur. Pouvoir les suivre un petit peu comme ça dans l'année. Voilà, et c'est pas si souvent, je trouve, ce genre de formule. Et ça, voilà, ça a le mérite d'être applaudi, je crois. En tout cas, pour un artiste, c'est extrêmement plaisant. C'est vrai qu'il y a beaucoup de... Il y a encore beaucoup de pièces, je trouve, pour violoncelle, qui ne sont encore pas suffisamment jouées à mon goût. Il y a notamment un concerto, moi, que j'aime particulièrement, c'est le concerto de Barber, qui est très peu donné, très peu joué. On connaît beaucoup mieux celui pour violon. Et je trouve ça très dommage, donc pourquoi pas une prochaine fois avec le concerto de Barber.